Finalement, ma question s'adresse au maire sortant, puisqu'il est le tenant du titre. Et donc, je voudrais lui me rappeler qu'il pose comme un succès de sa mandature le fait d'avoir investi plus de 10 millions d'euros par an depuis qu'il est maire, ce qui est parfaitement exact. Je voudrais simplement savoir comment aurait-il fait si, au cours de la mandature précédente, M. Abchin avait été contraint par les services de l'État d'augmenter les taux d'imposition à Saumur, ce qu'il a fait largement pour se donner une aisance de gestion, après que son prédécesseur, M. Marchand, n'ait pas pu maîtriser l'endettement excessif que lui avait laissé M. Hugo. Voilà. Bon, écoutez, moi j'ai pris... Sachez que quand on est maire, et un d'entre nous le sera, il prend l'actif et le passif. Et à un moment donné, vous arrivez, la situation financière est dans tel état. Nous avons travaillé sur le désendettement entre 2014 et 2020, donc il y a eu 6 millions d'euros de désendettement. On a diminué les frais de fonctionnement de 3 millions d'euros, 10% des frais de fonctionnement, en 6 ans, ce qui nous a permis de dégager la capacité d'autofinancement de telle façon à pouvoir porter cet investissement que nous avons donné. Nous avons tenu l'engagement entre 2014 et 2020 de ne pas augmenter les impôts et nous avons tenu l'engagement d'aller sur des investissements forts, d'investissements qui sont strictement nécessaires. Monsieur Morineau. Comment auriez-vous fait si vous n'aviez pas eu cette manne financière lorsque M. Abchin a augmenté les impositions locales de 10% alors que 5% suffisait? Écoutez, comment on a fait quand l'État a décidé de nous diminuer d'1,7 million les dotations de l'État? On a arrivé à travailler avec les moyens qui nous sont donnés. Et c'est pour autant qu'on prend l'engagement de ne pas augmenter les impôts et de travailler sur ces points-là, dont la réduction des frais de fonctionnement, et ce point-là, vous le voyez, puisque vous êtes le conseil municipal, nous sommes passés de 33 millions d'euros de fonctionnement à 30 millions pendant une période, quand même, malgré tout, que le coût de la vie augmente, c'est-à-dire que c'est un travail sérieux en matière de fonctionnement, et c'est le seul moyen. Monsieur Morineau, vous interrogez un conseil municipal sur le sujet, s'il n'était pas possible de baisser un peu les impôts, c'était votre souhait, monsieur Morineau? Oui, tout à fait, moi j'ai pas voté, j'étais le seul à ne pas voter le budget, et à ne pas voter les taux d'imposition, pensant que les Saumurois étaient un peu en souffrance financièrement, comme le reste des citoyens français, et qu'il était nécessaire pour les collectivités locales de réduire leurs exigences, de réduire nos exigences collectives pour permettre à l'imposition d'être moins prégnante. Je vais prendre encore un exemple, si vous voulez. Vous avez bloqué les certaines lignes de budget, notamment les aides aux associations à 1,9 million. Donc vous bloquez ça depuis des exercices, alors que vous bénéficiez de la hausse des bases d'imposition qui vous sont accordées par l'État. Ce qui veut dire que vous, vos recettes augmentent tous les ans, mais vous n'allez pas forcément les répercuter sur les associations ou les bénéficiaires. Si vous la comprenez, il va répondre rapidement. Je réponds très très, très rapidement. D'abord, M. Morineau, vous devez mal regarder les budgets avec tout le respect que je vous dois. Et c'est normal. Ouais, je peux vous dire. S'il vous plaît, je ne vous ai pas coupé, je vous remercie. Vous savez pleinement que les dotations de l'État ont diminué. Et globalement, en masse globale, les financements de la ville ne sont pas en augmentation. Prenez le budget de 2014 en recettes et le budget de 2020 en recettes. J'aimerais juste, puisque vous parlez de la baisse des impôts, et vous en parlez souvent, qu'est-ce que c'est pour vous la baisse des impôts? Combien? Et si vous voulez bien, on prend une base pour quelqu'un qui paye 1 000 euros d'impôt foncier. On ne parle pas des impôts locaux, puisqu'ils vont disparaître. 1 000 euros d'impôt foncier, combien vous faites de baisse pour une personne? Et combien ça joue sur le budget? Parce que je veux bien être... faut être sérieux dans ce qu'on dit. Donc dites-le. Vous me dites combien vous baissez les impôts à chaque personne qui paye des impôts pour 1 000 euros. Précisément. Question précise, réponse précise. Et combien ça représente dans le budget global? Ce que je peux vous répondre là-dessus, c'est que si
vous aviez baissé les taux d'imposition afin de compenser la hausse des bases, ça aurait eu une incidence entre 200 et 300 000 euros sur le budget de la ville. Est-ce que ça aurait changé foncièrement quelque chose sur le fonctionnement? Mais c'est le mécanisme qu'il faut enrayer. Si on avait compensé la hausse des bases sur les budgets, ça aurait eu une incidence entre 200 et 300 000 euros sur le budget de la ville. Est-ce que ça aurait changé considérablement quelque chose le potentiel de la ville de le faire, et ça aurait donné un signal comme quoi la collectivité locale saumuroise prenait en compte les difficultés des Saumurois et des habitants. Ça a été possible dans toutes les villes où le Rassemblement national a été aux commandes. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas possible à Saumur. Si le candidat veut commenter. Voilà. Juste peut-être dire que la hausse, juste diminuer la hausse des bases, c'est effectivement 200 000 euros. 200 000 euros sur les impôts sur la part qui revient à la collectivité, c'est 1 euro par mois et par personne, ou pas par personne, par secteur qui paye l'impôt. Il y a 22 000 euros, 22 000 lieux qui payent un impôt foncier. Monsieur Fert, si vous diminuez de 200 000 euros, vous diminuez d'un euro par mois. Voilà, c'est un choix. 200 000 euros, c'est sur 5 ans, c'est une école. Vous voulez commenter, monsieur Chevrier ? Oh non, sur le budget, il y aurait tant à dire. Nous n'avons pas la même conception de certains investissements. Donc ça c'est très important. Nous considérons, nous, que l'investissement humain est quelque chose qu'on peut approcher et qu'il faudrait peut-être arrêter de réduire les masses salariales de la collectivité si l'on veut préserver quand même des services publics et si on veut recréer de l'attractivité dans beaucoup de domaines. Plus tard dans la campagne. Monsieur.